storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on
vibration out. And do you see you got me falling in more times than I can get out.
say it like that. If I hate you, then find someone new. Maybe, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. Had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet. Hoes wanna holler, oh no, I don't call them back. Girl, let me see you hold it down, we gon' have a blast. Cause I just wanna know what you gonna do with all of that. Ain't gotta say a word, I know what's up. You can have it all, watch me rip it off. I'll admit it, you got me feeling hella loved. Even when it's going down, know that we gon' live it up. Young shot caller, always been a baller. Know that you the one, I can feel it in my heart. Yeah, I won't stop charging, you going come harder. I can see you and I, way beyond the stars, girl. I can never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right, it feels right, it feels right. It feels right.
Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur le live. Je suis Crizon en direct de GTA V Online et en compagnie de Moleko et Virus. Mais Virus qui ne nous rejoindra pas in game. Hello. Aujourd'hui, on va continuer les. Comment ça s'appelle déjà? Chasse à la prime. Voilà, merci. Les chasses à la prime. On va faire aussi potentiellement 2-3 missions du central. On verra. Et là, pour l'instant, on est en train de voir pour se faire. Boum! Des uniformes d'agents en civil. Voilà, voilà. Je vais mettre. Hop, en lecteur réduit. Et bien sûr, afficher. Non, on enlève ça. Et je veux pas allumer le message. Tac, comme ça, on peut voir en même temps si quelqu'un met la cam ou autre chose. Et on voit. Donc on peut voir ce que fait. Oh non, en fait, on voit pas bien là. Si tu veux que ça apparaît plus, tu peux quitter le stream de. Tac. Là, c'est mieux. Voilà. Comme ça, ouais. Ok, bah c'est bon. Et puis bah quand tu mettras ta cam, normalement on te verra. En fait, je referme ma tenue que j'avais fait sur le. Ah ouais. Bah j'allais justement faire celle-là aussi moi. Bon, on va laisser comme ça, c'est pas grave si c'est un petit peu. Il n'y a pas de rentrée manche longue, je crois. Il n'y a pas de rentrée manche longue. Hop. Même si normalement. Si on devait vraiment faire un truc, enfin quelqu'un qui soit agent si tu mets pas une chemise rentrée parce que justement t'as ton arme qui est sous bah oui. La ceinture. Je trouve quand même dommage qu'ils aient pas mis les ceintures. Ouais, ils aient pas mis les ceintures. Tiens, sinon tu mets ça là. Ça c'est bien là. Ouais, je te rechemise. En fait, il y a même. Ah, si voilà, la chemise de. Chemise sans manche. Ah, si je mets ça, ça fait pas vraiment ce qu'il faut. Haut de service. Non, dans les hauts de service, je crois pas qu'il y ait grand chose qui me. Mais rien de très discret. Hein, qui fait pas non militaire quoi. Non, mais je pense que c'est. Moi je vais être en chemise et travail. Ouais, un truc comme ça peut être pas que déconnant. Hein. Lequel tu veux mettre? Ah, les chemises et contactées. Y a pas la mienne. Ou sinon, je mets mon sweat à capuche, ouais. En gros, ça fait que j'avais supprimé ma version civile et puis ouais, je vais me remettre en version civile, quoi. C'est. Voilà, je m'étais mis comme ça. De designer, maillot de course, pull à col V, pull de travail, pull de sport, cardian, c'est quoi ça? Ah non, c'était là, voilà. C'est pas génial. Ouais, non. Vous devez. C'est vraiment la phase finale du braquage diamant usine en utilisant. Ça, il faut que j'aille le gilet, d'accord. Mais bon, je vais pas mettre ça. Chemise de bureau. Allez. La BG carreau pour pas prendre exactement la même que j'ai pris sur l'autre truc. Sauf que l'autre, en fait, vu qu'on avait les ceintures, j'avais pris. Avec les ceintures. On a un jean, tel un. Ah mais c'est que des jeans serrés. Non, c'est que d'autres.
Alors, attends que je regarde. Pas rentrer de préférence. Ça faisait très Franklin les trucs. Ah bah la chemise avec ouais par-dessus le sweat, enfin le sweat, le genre de sweat, ouais. Faut que je mette un peu de couleur sur mon truc parce que vu que je suis tout le temps habillé tout en noir, ça fait toujours très. Ouais, mec. T'es cramé. Voilà, parfait, tu vois. Ça, c'est de la couleur. J'ai mis un peu de couleur. Sont les chapeaux sur accessoires. Par contre, je garde les ranjos et ça c'est assez évident. Gilet de braquage, est-ce que j'en ai? Ah non, ça va pas avec les chemises, putain. Non, les gilets de braquage, j'en ai aucun. Bah, surtout qu'on va dire, bon, normalement, si t'es honnête, t'as pas le gilet de braquage, quoi. T'as pas de gilet. Mon chapeau. Wow. Un gris. Ah, pas le gris relevé. On va voir les putains de casquettes. Vous les foutez où les casquettes à chaque fois, allez où les chapeaux, merci. Casquette à l'endroit. Voilà. Une Oui, bah lunette ouais. de vision nocturne. C'est parfait. Bien sûr. Vraiment, c'est ce qu'il nous faut. Ouais. Un petit casque anti-émeute. Pas trop ce que je pourrais mettre. Casquette militaire. Bah avec la chemise que t'as là, moi je prendrais presque un chapeau de genre un chapeau de paille ou un truc comme ça quoi. Ouais, mais non. Faut pas déconner. S'il y a des trucs qui sont gratos, moi je prends. Casque de haut vol. Casque anti-émeute. Ah, Qu'est-ce que il y c'est en a vraiment un avec standard écrit chez les standard? speedy dessus. Et à la speedy!
il y en a des... Oula, alors j'ai aucune idée où c'est, moi, ça. Ouais, très bien, celle-là. De quoi? Il faut que tu fasses quoi? Non, j'ai reçu un mail pour me dire que j'ai ce trésor. Mais bon, je sais pas où c'est, moi. Ça a l'air d'être côté Pape Sandy Shore. Alors, ou plus précisément, aucune idée. C'est le chimochillade derrière. Ah bah d'accord. Ok, c'est bien, ça m'a dit. Est-ce que je mets des mitaines ou est-ce que je mets mes gants en cuir? Ou mes gants de conduite? Gants de conduite, c'est pas mal. Accessoires, vas-y, fais voir. Ah ouais, bracelet varié, allez! Non, je vais pas mettre des conneries comme ça. Je pourrais essayer de me faire en mode YOLO comme ça, mais non, c'est trop. Trop de conneries pour moi. Là. Écharpe par contre. Non? Cravate? Pas de cravate. Chaîne. Faites chier les gars, vous savez ça? Écouteur. Sauvegarde. Ah, peut-être que je mette, je sais pas, plus de couleurs, non? Bah, ouais. Le pantalon, pas besoin, mais peut-être la casquette. J'aurais peut-être mis une casquette moins noire. Oh, en casquette, c'est noir. Ça, c'est... Et je vais le prendre, l'olive, le marron. Oh. J'aime trop le paramilitaire en fait. Ça fait un peu classe, ça peut être cool. C'est quoi, je vais prendre là, le beige, allez. Civil, cool, confirmé. Voilà, je suis en civil à la cool. Faites-moi voir les tenues, j'aimerais bien voir ce qu'il y a pour... Y a pas les tenues pour la casse là, tenue combinaison. Non. Non, en fait, les tenues que tu as en achetable, c'est vraiment les tenues genre des gros braquages.
casse, Anniversaire etc. Il n'y a pas. GTA. D'accord. Si, tenue casse, garde-côte. Oh, Non? où ça? Tu l'as trouvé où ça? Non, tenue de casse. Et à Ah garde-côte. bah, je crois pas que j'ai du coup moi. C'est 55 sur 57. Et bah, j'en ai 54. Ah. Donc j'ai pas. Attends, j'ai la tenue Parce que j'ai pas la garde-côte. casse. Parce que j'ai pas la casse. Putain, c'est. Possible. Parce que t'as quoi d'autre en. Tenue de fête, c'est dégueulasse. Parce que t'as 57, donc je dois en avoir d'autres que tu dois avoir aussi. Alors, bah, je vais mettre tenue sauvegardée, tenue standard, Business décontracté. business, chic, Des rêves. vide rêve ouvert, vide rêve fermé, hipster, tenue de vol, extermination lourd, masqué, We have extermination, more in the braquage back. combi, décontracté, urbaine, combat urbain. Il y a quoi en combat urbain? Non, c'est. Bref. Urbaine, ouais, d'accord. Combat léger, combat lourd, louche, tactique, rebelle, Business. business, élégant, négligé, minimaliste, Minimaliste. smoking, pilote, design, luxe, lowrider, Saint-Valentin. Saint-Valentin sexy, lowrider classique, sécuroserve, haute finance, course automobile, course moto, cascade, moto boulot dodo, bobo, retour à la ligne, combinaison, import-export, trafic d'armes, voltige, contrebande, plongée, Gorka, Gorka? Ah oui. Gorka, c'est tenu, ouais. Je pense que c'est à partir de Course là où tu voudrais être. auto, guerre d'arène, braquage Ouais. diamant. Diamond, Caio Perico, Tuning, Ah bah Golf. tuning, je sais pas. Tu peux regarder ce qu'il y a tuning? Parce que tuning. Moi après Caio Perico, j'ai directement Onesie. J'ai Docker. Et golf, c'est quoi en fait? Ça te dit un. Golf, voilà, c'est un truc Ok. dégueulasse, surtout ça. Ouais. Et tuning? Tuning, je t'ai montré, c'était le des Docker. Ah, ok. Les golf, ouais, c'est trop vraiment de golf. We Ok. specialize in those. Onis, Odyssey. Ouais, c'est. Ça a l'air. genre des sortes de pyjama, survêt de Putain. pyjama. Ah! Quoi? J'ai double clic. Avec ma manette, je double clic des fois et là, voilà, je viens d'avoir un. Ouais, pareil, Dépensé. ça m'a fait deux Ouais, sauf fois. que le. Du coup, j'ai dépensé ce 70 000. Oh. Parce que c'est sur un aussi. Putain. GTA anniversaire. Ouais. La casse. Ok. Et la casse, du coup, Fête. t'avais quoi dedans? Casse, elle garde-côte. Juste le garde-côte. Ouais. Arctique Punaise. casse de haut vol. Arctique acquis mais non équipé. Ah, casse de vol, j'ai pas non plus. Non mais c'est ça en fait. C'est Ah, casse. casse avec. C'est en casse. Après Ok. j'ai tenue fête. Onésie de fête. Et voilà. Ok. Ouais, ça t'as le golf, casse et tuning. Par contre, du coup, je. Ouais. Yes, you too. Have a nice day, lady. Bon bah, je t'attends. Je t'attends dans mon état. Ah. Bon, je vais faire un truc pour toi là, c'est que je vais mute ton. On stream? Ouais, ton stream. Ah ouais, s'il était pas mute depuis le début, oui. Ah, ça va être mieux.
suis dans mon appartement. La journée. Putain, c'est cette poubelle qui me fait tout le temps chier. Voilà, t'as été recruté. Qu'est-ce qu'il y a? Salaire 10 000. Yacht, bureau, entrepôt 4. Ok, allez, j'accepte. Je fais offre d'emploi. Salaire 10 000, putain. Bon, après, du coup, tu vois, genre avec le truc de caution, ça monte un peu, mais quand même pas 10 000, tout, 10 000 toutes les. Les 10 minutes, enfin 10 minutes, 30 minutes, je crois plutôt. Je crois bien que c'est tous les quarts d'heure. Tous les quarts d'heure. En plus, ça te les retire même pas, toi, si? Non, non, ça me les retire pas. Putain, heureusement. Comment ça, heureusement? Bah heureusement que ça te les retire pas. Tu fais une partie privée pour toi et tes potes, tu restes toute la journée là et c'est réglé. Hein. Tu te mets en anti-AFK. Moyen de gagner de l'argent. Toi tu fais ça le matin avec tous tes potes, tu pars au boulot. Tous tes potes ils partent au boulot, le soir quand vous rentrez vous avez de l'argent. Ouais mais en fait, en tant que patron t'en perds. Ah. Parce que t'as tous tes bâtiments à payer. Et tu dois les payer toutes les 10 minutes aussi, c'est ça? Ouais, je crois que c'est à peu près pareil pour ça. Après, il y a... Le salaire de 10 000, c'est dès que t'es partenaire ou faut être partenaire? Enfin, dès que le patron a plein de trucs ou genre juste si tu t'inscris en tant que boss et tu le fais, c'est 10 000? C'est dès que tu t'inscris en tant que boss... Et que tu as recruté les gens, quand tu les as recrutés, ils reçoivent 10 000 et par rapport aux actions qu'ils font, ça augmente. Mais dès que le boss se fait tuer, ça diminue. Ouais, non, parce que presque à la limite, tu le fais, mais. Enfin, tu fais quelqu'un dans le groupe de potes qui a presque presque pas de bâtiment de ça, donc il a presque pas de charge à payer. Ah, ouais, ça pourrait. C'est vraiment pour chercher. Genre moi, mais moi je bosse plus donc j'ai besoin de mon ordi. Et. C'est con. Ouais. Parce que moi je suis légèrement niveau 1, donc j'ai rien. Bah il faut quand même que tu achètes un bâtiment, je crois. Enfin, faut que tu aies au moins un bâtiment machin. Et je sais pas combien Vu que moi j'ai plein de charges. C'est parce qu'il faut que je paye la secrétaire de machin, les employés qui sont là-bas et tout. Même si maintenant c'est bien parce que tu as des employés qui sont vraiment efficaces. Ah bah tu vois là ils sont en train de bosser. Pour une fois ils attendent pas là. Ouais, ouais je sais. Vu que je spawn directement, je les envoie bosser. C'est comme ça que tu fais la compta. Il y a des trucs rouges, il y a des trucs verts et des trucs orange. Ça a l'air bien. Il y a plus de vert que de rouge. C'est bien.
Pas mal. Je préfère quand c'est comme ça. Alors en fait, rouge, c'est pour dire que c'est bien été payé, vert, c'est que t'es non. Quoi? Explique-moi ta logique, là. Tu as fait quoi? Je crois que ça aussi maintenant ça peut valoir un avertissement. Ce serait con. On regarde dans les trucs, mais je crois que c'est le cas. Hein? Alors, tu veux quoi? Du violet. C'est une jolie couleur le violet. Ouais. Ils ont pas à avoir honte. Mais. Violet. Donc le client veut du violet. Ensuite des freins de rue, très bien. Un réglage de moteur au niveau 2, ouais. Et un turbo. Ok. Ouais, pour l'instant elle est pas mal, hein. Elle est bien la voiture, elle est très bien. Carrosserie, qu'est-ce que tu veux? Des phares anti-brouillard. Ah, attends. D'abord le pare-choc arrière, ok, pare-choc rouillé à l'arrière, oh. C'est dommage. Bon, chacun ses choix, je dois avouer. Ensuite, tu veux des phares anti-brouillard masqués de tourisme, ok, et des échappements. Double. Échappement de peau. Bien. Pour tes roues, tu veux quoi comme type de roues? Des roues de SUV là-dessus? Des roues de SUV? Écoute. Prenons ça, des Supernova. Ah, j'avoue que ça passe bien. Avec la couleur comme ça, c'est cool. Ça fait bizarre, mais pourquoi pas. Couleur de jante, ça en jette. Apparence des pneus, je vous mets toujours des pneus custom. Hein. Je vous mets les pneus atomiques. C'est les mieux. Et on confirme. C'est les mieux, ils ont des petits trucs écrits sur les côtés. Bah oui, c'est pour ça. Allez, on envoie. Au suivant. Alors, ouh, là, on a de la... Là, on a du niveau ici. Alors. C'est bon, là, maintenant, je peux. Ah, merci. Alors, faites la révision du véhicule. C'est bon, on vous a changé l'huile, on a regardé. Alors, il y avait 2-3 trucs qui n'allaient pas, mais c'est bon, on a tout réglé. Le moteur est bon. Enfin, le moteur est d'origine pour l'instant. Vous voulez quoi? Qu'est-ce qu'on vous fait comme peinture? Argent bleuté. Sympa, ça fait effet iceberg. C'est cool. Amélioration, tu veux quoi? Tu veux des freins, transmission et réglage moteur. Donc freins, des freins de rue. Il y a beaucoup de gens qui prennent des freins de rue quand même. Hein. Réglage moteur de niveau 2, ok. Des transmissions sport, je peux comprendre que sur ça, une transmission sport, c'est quand même pratique que la transmission d'origine. Carrosserie, pare-choc avant, spoiler carbone. Ouais, custom, non, moustache, oh ouais. Franchement, ouais. Ouais. J'aime. Un châssis, dis-moi ce que tu veux. Arceau de sécurité. Ok. D'accord. Et pour le capot, un capot agressif. Fais voir. Oh, pas mal. J'avoue que ça fait que ça a de la gueule. Ensuite, de nouvelles roues. Ouais. Tu veux quoi comme type de roues? Des roues haut de gamme. Carbon Z. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai que c'est bien.
J'aime bien, ça va bien avec. Donc on part là-dessus. Couleur des jantes, par contre, je te les mets dans une couleur qui peut aller avec. Qui pour moi est quand même mieux. Hein. On va te mettre fluo, c'est pas mal. Le petit aspect un petit peu tuning, cool quoi. Ou layette. On va rester sur le tuning. Et les pneus. Bien sûr, on te met toujours des custom parce que on respecte nos clients. Et on confirme. Allez, Tania, tu vas aller me livrer cette voiture. Comment ça, elle s'appelle pas Tania, bien sûr que si, elle s'appelle Tania. Pourquoi elle s'appellerait pas Tania d'abord? On se boit un petit jus. C'est quoi la mission qu'il y a à faire ici? Emplacement des labos. Les moyens de transport. Attends, on n'a pas fini ça. Ok. D'accord. C'est quoi les trucs que c'est? Qu'il y a? C'est pour aller Bonne voler des nouvelle. bagnoles aussi. C'est comme la casse, sauf que là c'est des bagnoles type tuning. Ok. Là, ça va rapporter pas mal d'argent, ça. En gros, je m'occupe surtout de ce qui rapporte de l'argent. Le reste, je prépare un peu les steaks. Pour pas dire totalement. Non, 23-19 dans la ruelle 84, secteur 84, on doit y aller. C'est parti, code 3. Ah, on peut... Ah, ok. Quoi? Les missions sont centrales. Bon, en tout cas, je peux pas les avoir quand je fais partie d'une organisation. Je crois que c'est pareil. Et tu peux pas les faire si t'es dans une orga. Donc, je pense que c'est des missions en solo. Oh! Attends, il y a un truc là-bas, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Fourgon de Fourgon de sécurité. sécurité? Tu veux qu'on le fasse? Il y a un fourgon de sécurité! Arrêtez-vous! Utilise. Non, il faut que tu utilises des bombes collantes dessus. Donc recule, mets une bombe collante et après tu le fais sauter. Sur les trucs arrière. T'as pas réussi à les mettre. Non, pas le temps de les poser. Mettez Giro, mettez Giro! Ouais, autant les utiliser, hein. Ouais. Vas-y, pit! Fais un pit! Oh, merde! J'ai eu un civil. Attends, on a ruiné les mecs, yes. Pose un C4 quand tu peux dessus. Le problème c'est à la...
Sinon, tu montes dans ma voiture, tu te mets en passager pour le faire. Pour moi, t'auras pas à conduire. Ah mais, oh, il est sérieux de ma place à ce moment-là. Super. Qui ça? Oula, oula, attention. C'est quoi la touche? Parce que droite ou gauche. Allez, on sort, on sort. Police. Traité. Bon, bah, faut se barrer avec, hein. Non, 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 faut que tu le fasses sauter. Ah, faut faire sauter. En fait, faut que tu fasses sauter les portes. On est avec vous, les gars, on est avec vous. Bon, on va pas. Recul du fourgon. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que t'as flingué ma bagnole. Mec, t'as ruiné ma bagnole! Mais j'ai ruiné la mienne aussi! Ah non, ou alors c'est que la mienne qui a été ruinée? J'ai perdu non, de l'argent la alors. La mienne a été ruinée. Bon bah, tu peux prendre la mienne si tu veux. En fait, j'avais pris. Parce que j'avais déjà fait ce qu'il fallait faire. C'était déjà à l'extérieur. Le... Ah ouais? Oui. Ok. Monte, si tu peux. Allez, fonce, fonce, fonce! Je suis mort. Tu as mon macabé dans la voiture. Ça va aller, chef! Ça va aller! Vous allez tenir! Ah bah, rejoins moi. Quoi? T'as pas pris les pneus à l'épreuve des balles? Ah non, j'ai rien pris hein, sur celle-là. Ah. Putain, ils ont déjà tout nettoyé ici. Ah, faut que je trouve comment aller dans les souterrains d'où je suis là. Souterrain ou un garage. Ah, allez, merde. T'as de là avec ton Bobcat. Allez, à moi. Qui sont en train de tourner par là. Tu t'es caché quelque part? Je suis en train de rentrer dans le chantier. J'espère que je vais avoir le temps avant qu'il nous arrive. Bon, il y a un truc là-bas. Qu'est-ce que c'est? Un véhicule. Qu'est-ce que c'est que ce véhicule? C'est bon. Ah. Sur la position, il y a un véhicule, mais je sais pas. Je sais pas trop ce que ça veut dire un véhicule.
Où lui? Moi j'ai qu'un Bobcat hein, donc je peux pas aller très vite. Il met de la distance. Faut que je te suive? Enfin, Ouais. C'est que peut-être que je passe à un truc de réparation parce que bon faut les ruiner. Ah bah avec une roue en moins je peux pas aller très vite hein. Ouais, tout de suite. Les 80 000. Moi j'ai un truc rouge qui est apparaît à chaque fois que je passe ici. Si c'est un grand cercle rouge, c'est normal, c'est un truc à contrôler, mais tu t'en fous. Ah mais j'ai. Ouais. J'ai déjà en plus l'icône validée dessus donc. Oh putain. On a besoin de renfort pour faire un blocus. Blocus. Quand on aura le 4x4, et puis quand on marche aussi, enfin quand les autres auront aussi les véhicules, il faudra qu'on fasse des barrages. Parce que oui. Un blocus, bon. va falloir plus de choses là. Va falloir 2-3 bateaux. Bon, à la fin, j'en ai eu marre, je les ai fumés parce que. Bon, alors. Décale-toi de. Ok, c'est bon, je vais. Semer la police. Allez, vas-y! Tu sèmes la police? On va dire que c'est relativement simple. Sérieux? Ouais mais du coup j'ai la police parce que je tire sur des mecs qui me tirent dessus. Parce que du coup la police est venue à deux bases pour toi. Du coup c'était vraiment pas loin et du coup bah vu que je me faisais tirer dessus par des gens bah...